you? Salut à tous, c'est Raga pour ce 12e épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon Joe. Donc, nous venons de battre Koga, donc à Parmani, et nous allons aller vers Cramoisil affronter Auguste. Donc, je fais un peu de ménage, hein, comme au début de chacune de mes vidéos, parce qu'en fait, les sacs sont rapidement pleins. Et on va commencer par faire quelque chose que je pensais pas faire, mais j'y réfléchis depuis la dernière vidéo. C'est que je pensais garder Loclas dans ma team, parce que j'avais vraiment besoin de son type glace pour pouvoir poutrer les Pokémon Dragon de la ligue. Mais je vais grave en chier pour le up à un level vraiment compétitif, parce que il me semble que Peter à la ligue est la genre des Pokémon level 60, enfin un peu moins de 60 je crois. Donc ça voudrait dire qu'il faut que j'up mon Loclas au moins 40 à 45 levels, ce qui est un peu beaucoup. Donc en fait je vais aller aux îles écumes. Bon, je vais d'abord faire des achats. Je disais, je vais aller aux îles écumes récupérer Articodin. Donc je vais même pas essayer de... Enfin, je vais vraiment rush pour aller jusqu'à Articodin. Articodin que je vais attraper à la Master Ball. Oui, parce que en fait les oiseaux légendaires sont vraiment galères à attraper. Et de toute façon, comme je compte pas attraper Mewtwo, bah, autant que j'attrape Articodin à la Master Ball, quoi. Au moins, ça sera utile. Donc voilà, blablabla. Par où il faut que je passe, par là? Donc du coup en fait Articodin va remplacer mon Loclas. On va éviter les combats, je sais pas si cela c'est des dresseurs, mais dans le doute. On va les éviter. Hop, super repousse. Pour avoir un peu la paix sur les Pokémon sauvages. Au moins ceux de bas level. Donc je vais rush le chemin pour aller jusqu'à Articodin, donc il n'y a pas besoin de faire toutes les îles écumes, en fait c'est assez rapide. Ce qui est vraiment long en fait, c'est de débloquer le passage vers la sortie, vers Cramoisil du coup. Mais Articodin est faisable assez rapidement. Je précise qu'évidemment en fait, on n'est absolument pas obligé de faire les îles écumes. En effet, suffit de faire surf depuis Bourg-Palette vers le sud, on arrive directement à Cramoisil. C'est ce que je pensais faire à la base d'ailleurs, hein. Complètement court-circuiter les îles écumes. Hop, il faut que je descende. Donc en fait, c'est tout en bas des îles écumes. Bon Krabi, c'était bien sympa, mais j'en ai rien à fiche de toi. Hop. Et voilà, je suis à l'étage où je dois faire bouger les pierres. Car oui, en fait, les îles écumes, comme la route victoire plus tard, donc avant la ligue, va falloir bouger des rochers avec force pour débloquer des passages. Hop, donc Rotaria t'es bien gentil aussi, mais... Ah bah ok, un item, je pense... Ouais, enfin il y a une pierre toute seule, donc il y a forcément un item. Enfin pas forcément, mais... Enfin bref, vous m'avez compris. Hop. Ouais, une Seraphis, j'en ai rien à fiche, quoi. Hop. Donc qui c'est qui a force Reptincelle? Force. Hop.
Hop. Donc en fait, faut faire tomber deux rochers dans les trous qui nous... vous voyez là, donc en fait, bah, c'est juste une simili-énigme qui est pas si compliquée que ça. Hein. Au pire, si on bouge un rocher qui se retrouve bloqué, suffit de changer d'étage et de revenir et c'est bon quoi. Enfin, en revenant, en fait, les pierres ont repris leur place initiale. Hop, voilà. Oh, un Nosferapti. Hop. Ah, repousse terminé, on s'en fiche. Hop. Et là, on tombe en fait sur l'eau, donc surf automatique. Et en fait, Articodin est juste en haut. Hop, voilà. Donc, bah, comme je disais juste avant, je vais y aller à la Master Ball. Hein. Je vais même pas essayer de combattre. Là, vous pourriez me dire pourquoi tu récupères pas les deux autres oiseaux légendaires. Parce que bon, ils sont quand même tous les trois level 50. Ce qui est quand même pas négligeable, surtout vu comment je rush et que du coup je suis vraiment underlevel. Eh bien, pour deux raisons. L'Elector, donc l'oiseau électrique. N'a pas tonnerre. Il peut la prendre uniquement par CT, sauf que la CT j'ai déjà utilisé sur Ronflex. A la place il a Fatal Foudre qui fait potentiellement plus de dégâts, mais qui a une précision beaucoup plus variable, je crois que ça doit être. Enfin, elle est pas à 100%. Et il y a beaucoup moins de PP. Donc elle est très vite épuisée. Et c'est la seule attaque électrique qu'il possède. Donc en fait, bah... chiant quoi. On peut avoir un Pokémon électrique et ne pas avoir d'attaque électrique vraiment valable. Sulfura, donc l'oiseau de feu, lui n'a pas prendre déflagration qui est équivalent de Fatal Foudre, mais une version feu. Par contre, il y a une attaque de feu qui est Danse Flamme. Et comment dire, Danse Flamme, c'est beaucoup moins bien que Lance Flamme. Sauf que Lance Flamme, il n'y a pas de CT. Et Danse Flamme, en fait, ça fait des dégâts, mais sur plusieurs tours, c'est vraiment chiant. Hop. Enfin, après, c'est pas non plus ridicule, mais c'est un peu plus galère à utiliser. Enfin, ça fait des dégâts plusieurs fois de suite, un peu comme l'attaque de Pic-Pic ou un truc du genre, je sais plus. Voilà. Ou ligotage, ou ce genre de truc. Enfin, c'est pas génial non plus et il n'a pas grand chose en attaque intéressante. Parce que déflagration, pareil que Fatal Foudre, c'est pas utilisable, c'est trop imprécis. Ça a pas assez de PP. Hop. C'est toxique. Donc du coup toxique, je vais l'apprendre à Articodin, je pense. Ouais. Parce que en fait, il a actuellement. Donc du coup, je vais apprivoiser de la laser glace. Toxique du coup maintenant. Et une attaque vol ridicule, je crois, bec vrille ou un truc du genre. Il va apprendre Bizarre, qui est en fait l'équivalent de Déflagration et Fatal Foudre. Bon, c'est toujours mieux que rien. Donc là, en fait, je suis allé à Cétopole pour récupérer une CT. Hop, voilà. Qui est ici. J'aurais dû prendre, en fait, et que j'ai totalement zappé. Donc, la CT... elle est là. Donc c'est Météor. Donc Météor est une attaque qui fait des dégâts comment dire, moyen, enfin on va dire moyen plus, mais qui a l'énorme avantage de forcément toucher, peu importe la précision, peu importe si l'ennemi a fait vol, tunnel
Lilliput, j'en ai aucune. Enfin, tous ces attaques qui peuvent faire qu'on n'attaque pas. Et du coup, elle touche forcément. Donc, elle est très très utile sur des Pokémon qui peuvent potentiellement éviter les attaques. Je pense par exemple à la ligue au Ptera de Peter, par exemple, qui me semble à vol. Enfin, je dis ça dans mes souvenirs de ma sauvegarde, je suis pas tout à fait sûr. Et donc on va aller chercher une autre CT. Parce qu'en fait, là c'est pour Spectrum, oui c'est le PNJ en fait. Voilà, c'est pour Spectrum, c'est une attaque qu'il apprend, mais beaucoup trop tard. Je sais plus le level, mais un level assez haut. Et j'ai la flemme et je compte pas l'utiliser, la CT sur un autre Pokémon, donc autant lui donner maintenant l'attaque. L'attaque c'est Devoreve. Devoreve qui fait des très bons dégâts, qui est une attaque psy, mais qui marche uniquement sur les Pokémon endormis. Et comme on a Hypnose, bah voilà. Hop. Bah ouais. Non, du coup je vais aller à Bourpalette et là on va aller à Cramoisil. Donc hop, bicyclette et surf. Ouais, voilà. Et j'ai utilisé le super pouce qui me reste. Hop. Éviter les dresseurs. Ouais, là c'est bon. C'est passionnant, n'est-ce pas? Donc lui, je l'évite aussi. Donc nous venons d'arriver à Cramoisil, donc première chose à faire, je vais aller au centre Pokémon. Comme je sais plus s'il faut soigner ou pas pour que Tunnel nous ramène au centre Pokémon, je vais soigner, même si j'en ai pas besoin. Hop. Bon, enfin au pire ça dure 10 secondes quoi. Voilà. Hop, on va sauvegarder. Parce que bon, c'est cool la sauvegarde, donc je suis à 6h11 en temps de jeu. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà, et puis maintenant on va aller au manoir Pokémon. Avant on va faire quelques achats quand même. Hop, du repousse. Parce qu'en fait actuellement là, à Cramoisil, l'arène est fermée. Donc pour ça, il faut aller chercher la clé secrète qui se trouve au manoir Pokémon. Qu'est-ce que j'ai... oui, j'ai des trucs avant toi, c'est ça. Super beau, j'en ai plus besoin. Voilà. Bah, le reste, c'est bon. Puis de toute façon, là, je compte plus attraper d'autres Pokémon. Donc le manoir Pokémon qui est en fait un bâtiment normalement détruit. Donc on n'ira pas voir tous les fichiers qui baladent un peu partout dans le bâtiment. Donc je vais vous l'expliquer maintenant. En fait c'est dans ce bâtiment qu'a été cloné Mew pour générer Mewtwo. Sauf que Mewtwo ne s'est pas laissé faire. Bizarre hein, on s'y attendait pas du tout. Donc je disais, Mewtwo ne s'est pas laissé faire et s'est enfui en faisant tout péter. Faut que j'aille où là. Blabla. Bon, qu'est-ce qu'on rencontre? Oh, un tas de morves. Donc là, l'histoire avec Mewtwo, je disais, vous pouvez la voir en partie. Dans le premier film de Pokémon,
Mewtwo contre Mew, je crois que c'est quelque chose comme ça, le titre français, qui est très correct, hein. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais qui est très correct. Voilà. Donc ouais, j'en profite pour taper des Pokémon qui sont à ma portée. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille, je crois. Il me semble. Oui, donc le bâtiment est un fonctionne avec un système d'interrupteur qui ouvre certaines portes et en ferme d'autres. Mais bon, je sais pas, le 38, c'est je vais tenter de le faire au tunnel. Tunnel qui utilise une attaque sol, donc forcément. Contre les Pokémon poison, ça leur fait des dégâts. Ça par contre c'est pas cool. Les tritus, ça fait très mal. Ok. Bon bah voilà. Bon, au moins c'est plié. J'ai Pikachu en premier. Bon, on va voir, il y a peut-être qui va tenir. Donc là en fait ce qui se passe c'est que je descends d'un étage. Et ça m'emmène dans des endroits auxquels je n'avais pas accès avant. De l'étage d'avant, évidemment. Depuis l'étage d'avant. Ratatak. 37. Pikachu 19. Wow. Fut impossible. Je ne suis pas d'accord. Aïe. Ok. Ah, je peux pas fuir. Donc, toujours pas. Bon, bah, Spectrum, hein. Je vais tenter une hypnose et rêve. Ah, c'est vrai, hypnose ne marche pas à 100%. C'est vraiment le problème, par contre, ça. Voilà. Donc, Dodo le Ratatak, hein, et Dévorève. Alors, les attaques psy, les attaques épileptiques, hein. Ah, purée, il s'est réveillé. Ouais, donc du coup, Dévorève était dans le vide. Bon. Ouais, encore une attaque épileptique. Parlant d'épilepsie, je sais pas si vous savez, un épisode de la série animée Pokémon a été censuré. Qui n'a jamais été diffusé en Europe et aux États-Unis. Il a été diffusé au Japon, mais à cause d'une alternance très rapide de flashs lumineux, deux couleurs différentes sur une attaque de Porygon, il me semble. Oui, le Pokémon. Comment il définit déjà? Le Pokémon numérique, enfin je sais plus trop le terme, qu'on récupère au casino. Et en fait, ça a eu plein d'enfants au Japon qui se sont chopés une crise d'épilepsie à cause de ça. Donc l'épisode n'a jamais été diffusé. Vous pouvez chercher sur YouTube, hein, l'épisode est trouvable. Et que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est même pire que jamais diffusé. Il n'a jamais été traduit, doublé, il n'est pas présent dans les DVD, etc. etc. C'est quand même un peu fort, quoi. Alors que, globalement, d'autres épisodes ont bien été charcutés et censurés aux États-Unis et en Europe. Je vois pas pourquoi ils auraient pas pu faire pareil sur l'épisode avec les Porygons. Mais bon. Je pense qu'on le saura jamais. Hop, donc je continue la petite balade. Oh là là, j'ai plus de repousse. Est-ce que j'en avais racheté plusieurs? Oui. Hop. Oh, bon, un item. Ça c'est cool, un super bon. Hop. Oh, un gros tas de morve. Hop. Et on va prendre la fuite. Un item.
C'était 22, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, un ténor. Bon, j'en ai pas croisé, ça, je suis un peu déçu, mais à cet endroit, normalement, on peut attraper des métamorphes. Ça sert à rien, mais c'est cool, les métamorphes. Il n'y a pas un item, là. Bon, bah non. Il y a juste un Rattatak. Ouais, bon. Non, il n'y a vraiment pas d'objet. Je sais pas, ça a l'air d'être un coin avec un objet. Ah bah voilà, clé secrète. Donc, on a fini notre balade dans le manoir Pokémon. Et nous allons pouvoir maintenant aller à l'arène. Mais avant, on va soigner tout le monde, hein, bizarrement. Hop. Tam, 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 tam. Ah, j'ai utilisé super bon, c'est pas ce que je pensais faire. J'ai vraiment envie d'up le reptincelle pour en Dracaufeu. Le carbone, c'est la vitesse, je vais le donner au Ronflex. Voilà. Parce que bon, c'est quand même le gros point faible de Ronflex. Et puis, je vais stocker les objets qui me servent à rien. Hop, PC de Ralga. Je crois que j'ai un doute entre le PC de Léo et le PC de Ralga. Hop, la clé secrète, j'en ai encore besoin. Hop, voilà. Puis ça doit être bon. Bon, bah on va aller faire l'arène. Et en fait, je vais aller farm un peu à l'arène. Oui, je sais, jusque-là, j'ai rush pour aller au dresseur, mais ceux-là me font pas peur. Et au pire, ils sont faciles à éviter après, si jamais je suis trop juste. Donc, comme dit le dresseur, en fait, c'est des questions. Si on répond bon, la porte s'ouvre sans combat. Si on répond mal, le dresseur nous attaque. Par contre, faut que je parle de ça. Alors, voilà. Hop. Oui, mais non. Enfin, donc c'est vrai, mais comme je veux me combattre, je vais répondre non. Et comme je disais, le dresseur nous attaque. Avec des Pokémon feu. Donc ma strat, ça va être de Ronflex autant que possible, d'y aller avec Articodin derrière. Sachant que j'ai pleinement conscience que Articodin... du fait de son type glace est faible contre les attaques feu. C'est le gros défaut des vols. Là c'est un vol glace, donc du coup la plupart des Pokémon glace sont de type eau glace, et du coup le type eau les rend enlève leur faiblesse face au type feu. Ce qui n'est pas là du coup ici. Là ce qui n'est pas le cas du coup ici, je vais y arriver. Bon, pour l'instant, quand même, Articodin a l'air de one-shot à peu près tout ce qui bouge. J'en demande pas plus. Alors ça fait mal, par contre. Voilà, c'est Pic-Pic, du coup, qui a Articodin comme attaque. Qui est une attaque, qui est bonne au début, mais qui est un peu mauvaise en haut level. Fenard. Donc, encore Reptincelle. Flamèche. Ok. Bon, au moins je me fais pas brûler. C'est pas mal. Oh, laser glace critique, ça fait mal ça. Et puis en plus je farm des PO. Enfin des PO. Je sais pas trop c'est quoi la monnaie en fait. Je sais même pas si elle est nommée.
Hop, flemme d'aller au centre Pokémon, je vais hop l'Articodin. Enfin, soigner l'Articodin, pardon. Hop. Il n'y a pas de questions ici. Non, il y en a 8. Donc je vais apprendre 9 pour affronter le dresseur. Bon, je vous avoue, ça va pas être très très passionnant. Parce qu'en fait, vu la différence de level, bah, je vais un peu les one-shot normalement. Au moins les premiers. Hop. L'Articodin a quand même 16 levels de plus. C'est donc ce que je vais subir, mais dans l'autre sens, à la ligue, j'en ai bien l'impression. Hop. Voilà. Ça la mèche. Tiens, je savais pas que les dresseurs pouvaient avoir ça la mèche. Ouf. Fais coucou à ton copain. Hop, laser glace. Hop. Voilà, 28, plus que 8 levels avant le Dracaufeu. Oui, on va changer de Pokémon. Hop. Donc laser glace. Bon, je one shot toujours, ça me va. Hop, ouais, je gagne pas des max XP non plus. Mince. Miss click. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Hop. Bon, on enchaîne. Non, il évolue deux fois. Petit tartare, tartare. Comme le steak. Ponyta. 41. Le level commence à monter. Donc là, si je me prends un lance-flamme, je risque de me faire un poil biflé quand même. Ah, dans flamme. Voilà, donc comme je disais, ça attaque plusieurs fois. Mais ça fait pas énormément de dégâts en fait à chaque tic. Et ça en fait entre 2 et 5, je crois. Donc le troisième. Je suis pas sûr que ça puisse critiquer. Peut-être que si, mais... Voilà. Au revoir le Ponyta. Hop. Quasiment le triple d'XP par rapport au Goopix du dresseur d'avant. Bon, je vais aller soigner mes Pokémon. C'est pas trop pour la vie parce que j'ai des hyper potions. Surtout pour le nombre de PP de laser glace. Hop. Pas le coup que je prenne la bicyclette. Hop, voilà. Le plus gros. Quand je dis on a fait le plus gros, je parle pas d'onflex évidemment.
Ah ouais, j'avais encore un repousse. Ah ouais, là, très utile ça. Hop. Voilà. Non. Donc je vais répondre oui. Voilà. Ah, un galopin 41. Ça commence à être un peu gros. J'ai pas fait gaffe au nombre de Pokémon qu'il avait. Bon, enfin, au pire, on verra. Ouais, si c'est pour faire rugissement. Sachant que j'ai fait une attaque de type spécial, ça me fait une belle jambe de perdre de la force. Ah, je le one shot plus maintenant. Bon, je faisais pique-pique hein, pour économiser les PP de la Zaglas. Hop, voilà. Ah oui, il avait juste un seul Pokémon, donc ça c'est bon. Hop. Nouvelle question. Pokémon du même type et du même niveau sont différents? Oui. Donc je vais répondre non. En effet, les stats de départ, enfin les stats de base force, vitesse, attaque. Alors, pardon, force, vitesse, spéciale, def. Et je sais plus laquelle la dernière. Varie entre les Pokémon. Hop, Articodin. Oh, un gros lance-flamme des familles. Azaglas. C'est le 29, donc plus que 7 levels. Hop. Ok. Donc, voilà, c'est la classe, hein, encore et toujours. Voilà. Donc ce dresseur est vaincu. Hop, on enchaîne. Ça doit être le dernier avant Auguste. Ça n'existe pas l'attaque fausse. Je connais l'attaque Abîme. Je sais même pas si elle existe en CT. Abîme, je crois que c'est une attaque qui one-shot, mais qui a une chance de précision ridicule. Je crois. Ok, Articodin. Heureusement qu'Articodin a plus de vitesse. Il me semble qu'il a pas mal de vitesse de base. Non. Voilà. Hop. Pourquoi j'ai pris en flex en fait? Oh bah, bonne question. Voilà, bon, surf, ça devrait lui faire un peu de mal. J'espère. Ah! C'est pas si génial que ça, mais bon, s'il fait relevant, ça hurlement. Tiens, là j'ai eu la pluie alors que je l'avais pas eu au tour d'avant. Je savais pas qu'il y avait des bugs graphiques, je sais pas si ça vient de l'émulateur ou du jeu. Hop. Ah bon, du coup. Hop. C'est bien ce que je disais, on arrive à Auguste. Bonjour. Allez, blablabla, blablabla, tu vas me faire très mal, je le sais. Je sais pas du tout ces Pokémon. Pokémon feu, évidemment, mais... 3 Pokémon, ça va. Fenard level combien? 48. Ah ouais. Ah, puis Articodin est pas full vie, j'aurais dû le soigner avant. Bon, on folie, c'est pas cool.
Bon, j'ai réussi à faire tunnel. J'ai réussi à attaquer avec tunnel et je suis enlevé. Waouh, même pas un quart de vie. Hop, une hyper potion sur Articodin. Faut surtout que Reptincelle tanque la prochaine attaque. Ce qui n'est vraiment pas sûr du tout. Ah si. Bon, je vais la jouer safe. Je vais essayer d'aller avec Articodin. La mimique, que c'est bon. Laser glace. Bon, normalement, là, je ne one-shot pas, mais j'espère que... Bah non. Oh, 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 oh. Ah, ok, donc je m'en prends une deuxième, je meurs. Donc il m'a enlevé plus de la moitié de la vie. Hop. Galopin. Hop. Bonjour, Reptincelle. Bonjour, Galopin. Bon, pareil, en fait, je vais utiliser le Reptincelle pour tanker, en espérant qu'il survive. Hop, écrasement. Oh, 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 oh. Ouais, bah non. En fait, de son type feu, à cause de son type feu, il devrait pouvoir tanker les attaques de type feu, hein, évidemment. Plus ou moins, au moins. Mais bon... Ah eh, ça fait mal, ça. Ouf, ça a échoué. Parce que là, je n'ai pas cher de ma peau, là. Merci le rugissement, ça va me permettre de temporiser. Enfin, de le tuer, surtout. Hop. Hop, plein d'XP pour Articodin. Arcanin. Et bah, du coup, non. Je vais essayer de le tuer. 54. Ah, mais c'est quand même moi qui attaque, c'est bon. Ok, je vais enlever... quasiment la moitié de la vie. La moitié, en fait, je pense. Il me semble que ça, la barre passe en orange à la moitié de la vie. Bah, pas tout à fait. Wow, 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 wow. Dans ça, des flaques, c'est la plus grosse attaque de type feu, donc... je disais, elle a une précision ridicule, mais... bah, j'ai essayé d'y aller à l'aide de l'attaque pour attaquer en premier. Ça devrait le tuer. Ah non! Ah. Je. Tu me trolles, je. Bah, je vais appeler le ronflex. Hein. Peu importe, faut juste que je tanque celle-là. Ah, ça fait mal quand même. Ah, mais c'est blessé en frappant. Bon, ok. Ouais, admettons. Ah bah nous sommes déjà à 38 minutes de vidéo, donc on va arrêter là. Bon, je vais retourner au centre Pokémon, hein, tout ça, c'est soigné et sauvegardé. Donc il me donne la CT38 qui est déflagration. Hop. Bon, tunnel. Donc bah on va s'arrêter ici, hein, partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description. Et puis, bah, à la semaine prochaine, ciao !